aujourd'hui les crêtes de PC, donc avec une montée bien raide jusqu'au sommet et toutes les crêtes jusqu'à l'autre sommet, grosse descente. Alors voilà, dans la montée des crêtes de PC, un petit peu d'escalade, ça se grimpe quoi. Voilà, faut pas trop se vautrer sa gueule, mais c'est pas mal. Voilà, chaud patate. Voilà la vallée, départ de Pollampiné ou de Val-des-Prés, ici Val-des-Prés, 1400 et 1300 mètres et 3 petites heures plus tard, voilà, bon débit, les crêtes. Fais cuit-cuit Vincent, fais cuit-cuit. Maintenant, vole! Mon avis, c'est pas... On va pas jusqu'à la pointe, ça va quand même. Si, on va tout au bout. Après la pointe, t'as encore un haut dorso. Ah, mais... Ah, Après, voilà quoi. Je pense que tu vois le tracé, il est plus un peu sur le flanc gauche. Légèrement, quoi. Voilà. Le premier qui fait dans son pantalon. Ah, perdu! Ouais, non, mais le but c'est pas d'être sur l'arête. Hein. Oui, mais. C'est une photo là ou c'est. Une non, vidéo. Je filme. Ah, d'accord. Pour qu'on ait des preuves de ta calvitie plus tard. Ah, d'accord, c'est pas plus tard. Oui, mais c'est parce qu'il y a un petit risque d'orage dans l'après-midi, mais on devrait être sorti. Chat d'Herton, un peu plus de 3000, et les fameuses crêtes avec les nuages qui montent, et bientôt une ambiance assez spéciale. Voilà en haut de l'Olympe, dans les nuées et les brumes. Alors, la trace et donc la descente d'urgence pour ceux qui aiment les roulés-boulés. Voilà, voilà. Bon, alors là on a suivi des cairns et on a loupé la crête en fait et qui doit nous emmener normalement là-haut. Comme c'est chiant de marcher dans des gros pierriers, eh ben on trace à l'horizontale et juste en face les deux loups là-bas, il y a des chamois qui caracolent à fond dalle dans la descente, peut-être un petit peu loin. Voilà, par devant là-bas, devant Hélène, à la limite du pierrier et de la petite verdure. Alors marcher dans un grand pierrier comme ça, c'est sympa. Faut imaginer qu'on marche dans de la neige un peu, planter le talon en premier, puis ça déroule quoi, ça glisse un peu. Voilà, mais c'est vraiment la sensation de marcher dans de la neige.
Le seul truc, c'est de laisser de l'espace plutôt avec les mecs devant. Et surtout pas être les uns au-dessus des autres sur les cailloux qui déboulent, quoi. Voilà. Là, c'est assez profond. Regardez, c'est assez cool, hein. En plantant le pied, ça dévale comme dans la neige. Voilà. Donc, je conseillais donc les sandales, hein, les enfants en bas âge et les belles-mères. Voilà. Si vous avez des amis au PGHM, ça vous permettra de les croiser en hélico dans la journée. Sinon, bah, des bonnes chaussures de montagne. Là, ça se rentabilise pas mal. Voilà. Petite descente de pierrier, rigolo. On peut même courir, hein. Voilà. Ça, c'est cool. Et bien, voilà. Fin de la crête de PC, donc. Parti de par là-bas. Avant la petite pointe là, et tracer tout ça, et puis redescendre dans le pierrier un tout petit peu en dessous, et puis bah, il reste les 1300 mètres à descendre. Voilà, Vincent trace, Hélène s'est transformée en chamois, et déjà en bas, et ici, il est temps de mettre un bonnet. Voilà. Chemin improbable numéro 312. Ça va, Yann ? Toujours vivante ? Ça va ? T'as mal au cul ? Ben, la ravine de l'improbable et plus de chemin. Alors là, il y a un chemin. Là, il y a un chemin. Et entre les deux, il n'y en a plus. Voilà, Tintin au Tibet. La compète de qui va doubler qui, quoi. Et bien voilà les crêtes de PC, 1300 mètres de dénivelé positif, autant à la descente. Et 8 heures indiquées sur le topo, faut marcher vite. Voilà, nous on a mis 7h30, comptant la pause casse-croûte. Et en courant le petit footing là, pendant la moitié de la descente. Donc si vous avez aimé manger des cailloux, un bon chemin, sinon bah allez voir d'autres choses. Voilà, retour à Val des Prés. Allez. Départ pour la Nouvelle-Zélande dans 3 semaines. Chaud patate, le lolo, chaud. Et voilà. On était tout là-haut, 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 là-haut. Et nous voilà revenus en entier. Oh yeah! Toujours un fond de balle. Coucou!